D'après moi, on n'a pas fait une si mauvaise première mi-temps que ça, où les avant, on a vraiment su dominer notre adversaire. On a eu tous nos ballons sur nos lancers, sur les touches adverses, on a su vraiment les perturber. Et en mêlée, on a pris nettement le dessus. Donc après, c'est vrai qu'au score, on tourne à 9 à 3 pour Castres, donc moins 6 à la mi-temps. Mais sincèrement, j'étais assez confiant et je pensais que ça allait passer. Donc on est revenu avec de très bonnes intentions sur la deuxième mi-temps et on marque presque la première occasion, on marque. Et mine de rien, on a gardé le suspense et pour le public, on a gardé le suspense jusqu'à la fin. Et donc voilà, j'ai failli avoir un arrêt cardiaque, mais enfin on gagne. Parce que sur les trois derniers matchs précédents, on a fait tout le jeu, on a eu toute la possession de jeu, mais ça s'est soldé sur des défaites. Et voilà, je suis quand même très fier de mes joueurs. On a une équipe jeune. Et voilà, je pense qu'il y a quand même moyen de faire une bonne début, même une bonne saison. Et je pense que ce match, voilà, faut que ce soit notre match référence. On sait maintenant que tous les matchs vont être difficiles et qu'il va falloir batailler tout le temps. On s'est remobilisé, on a dit qu'on arrêtait de gratter, on a dit qu'on se tirait les rideaux, on a dit qu'on reformait le groupe, qu'on se solidarisait avec les autres. Et je pense que c'est ce qui nous a fait du bien. À la mi-temps, on est rentré sur le terrain, on avait envie. Le public était là, ça nous a fait du bien aussi, ça nous a poussé. Et je pense que la performance du groupe a été due au discours des coachs à la mi-temps. Un jeu plus simple, plus d'envie, plus de vitesse, plus de combat, et je trouve qu'on a vraiment bien réussi ça. On gagne le premier match ici à la maison. Après, on part à Montauban avec une équipe un peu différente de la première. Ça passe à peu, on perd à des détails. Contre Colomiers à la maison, pareil. À Carcassonne, pareil. Et là, en fait, ça nous tenait vraiment à cœur de faire un bon match, tout simplement, contre une grosse équipe de Castres. Enfin, moi, ça me tenait d'autant plus à cœur parce que c'est mon ancienne équipe. Et du coup, ouais, on voulait régler les petits détails qui faisaient que ça passait à peu. Et je pense que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Justement, ouais, il y avait besoin de matchs compliqués, de matchs comme ceux qu'on a pu jouer pour vraiment souder le groupe. Et là, je pense qu'aujourd'hui, ben, on a gagné grâce à ça, quoi. On a tous été soudés, on n'a rien lâché. À 14 contre 15, même à un moment à 13 contre 15. Et on est allé chercher tous ensemble, quoi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. On va pouvoir se libérer toute la semaine, on a du positif dans la tête et on va pouvoir repartir après les vacances sur une bonne dynamique, j'espère. Do